Salut tout le monde, c'est Dr. Sonis, donc on se retrouve pour la suite de l'Excavate Usine. Donc, on a du pognon à dépenser. Alors maintenant qu'on a des Vulcains, donc des nouveaux vaisseaux qui sont en cours de préparation, je me dis que ça serait peut-être pas bête de construire des canons plasmiques pour les équiper supplémentaires. Comme ça, je garde au cas où quand même les avalanches avec des canons plasmiques. Et au pire, bah, de toute façon, si je finis par m'étendre, étendre mes bases et en poser dans d'autres pays, enfin d'autres continents, et bah, j'aurai quand même déjà deux canons plasmiques d'avance pour des Vulcains supplémentaires. Alors, en plus, ça ne me consomme pas de fragments d'armes parce que c'est vraiment la ressource à laquelle je suis plus pauvre actuellement. Donc, comme ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Au niveau recherche, j'ai donc la lance à fusion qui est en cours de recherche, les Vulcains qui ont rêvé, et j'ai surtout l'opération secrète qui va bientôt se faire. Commandant, on vient de recevoir un appel prioritaire du Conseil. Le renseignement fourni par Annette indique que les extraterrestres tentent de transférer au moins 3 autres prisonniers dans une zone reculée près des Alpes. Si ces otages possèdent tous le même potentiel qu'Annette, il est impératif pour nous de ne pas les laisser entre les mains des extraterrestres. Je suis d'accord. Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Est-ce que je prends une équipe de professionnels du slip ou pas? J'ai envie de dire qu'ils s'en sortent très bien. Donc on va les garder actuellement comme ils sont. On va garder l'équipe comme ça. Même si c'est con que dans le tas du coup il y a les castles qui soient augmentés génétiquement. On va dire que c'est pas grave. D'ailleurs ouais, il faudrait que je vois ça pour augmenter un soldat de façon dans un truc génétique de la mort. Déployez-vous, Strike One. Commencez l'attaque. La France nous a envoyé une requête urgente. Trouver et sauver les autres otages, éliminer toute opposition. Oula, ça a l'air stylé comme map. Ça a l'air long à charger surtout. Go, go, Power Ranger! Avec Dark, le Power Ranger Megazord. Commandant, Strike One doit approcher ce vaisseau avec la plus grande prudence. D'après Annette, les prisonniers restants sont en stase, mais les extraterrestres peuvent les débrancher à tout moment. Le système répond à un panneau de contrôle. Si nous le détruisons, nous aurons une chance de ramener ces gens sains et saufs. Nous avons un nouvel objectif. D'accord, donc mon but c'est d'avancer tout droit. Très bien. Alors, let's go. En avant! Y'a des frites en face! Où ça, des frites? Où elles sont les bonnes frites? Ah, c'est des allumettes, mais c'est pas des frites. Alors, est-ce que le sniper il peut faire quelque chose? Sinon, le sniper peut faire des choses. Celui-là, c'est le plus éloigné. Il meurt. Il est mort, je confirme. Il a tiré à travers en bas. Oh la vache. J'y vais. Il ne voit pas les ennemis, bah écoute, avance davantage. Pire, tu serviras de cible. Alors, Ambre. Je vais porter le coup de grâce. On y va. Et essayer de gagner de l'XP. Bien ça, ma petite Ambre. Tu me plais là. Ça me plaît ce que tu fais. Ah, toi tu peux pas avancer plus que ça en couverture. Bah écoute, vigile. Et Durant, bah pareil, toi tu pourras pas avancer bien loin. Mets-toi par là, tiens. On va étendre le front. Et pour finir un scout, du coup, bah tu vigiles.
extraterrestres savent que vous êtes là, Strike One. Ce bruit vient du panneau de contrôle. Dépêchez-vous de le trouver avant que les extraterrestres n'exécutent les prisonniers. Toi, en exécution 12, ça devrait le faire. Là, vous êtes tous mauvais là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Vous avez pas mangé de Chocapic ce matin? Ils essaient de m'avoir. T'inquiète, Durant, t'auras ta vengeance. Vas-y, Durant, va lui péter les dents. Durant, 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 Durant. Ouais, Durant. Bien ça, ma coquette. Tu me fais plaisir. Écoute, Dark, écoute, tu avances à mort et tu vois ce qu'il y a à l'espace en face. On va vite sauver les prisonniers. Néo, pareil, t'es vachement loin, tu te rapproches. Je fonce. C'est quand même 12 tours. C'est pas mal, mais disons que comme je sais pas exactement comment ça va se passer au niveau des prisonniers. Où est le fameux panneau de contrôle et compagnie. On va quand même y aller de façon... vite. De façon rapide. 5 sur 5. Ah, c'était même pas un... c'était même pas en sprint, bon, très bien. J'ai l'impression que des fois le truc il bug un peu. Hein. Après, si ça bug à mon avantage, je vais pas me plaindre. J'y suis déjà. Donc normalement, avec ces armures-là, ils sont plus trop vulnérables aux poisons. Ah donc, il y en a qui pop. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, Durant, tu, comme tu vas du coup un peu progresser quand même, parce que voilà. Tout de suite. Réflexe éclair, rien à foutre. Dessus. Mais non, c'est un effet d'optique. Ah là, tu mets le but, c'est ça qui est merde. Ça te fait de l'XP. Dark, progression. Dark ne voit rien. Bah, Dark, il va avancer quand même. Arnana. Du cours. Rezos. Tu as avancé mais pas trop quand même parce qu'on est un peu dispersé là. Ah très bien. T'as la vision que sur un seul du coup toi. Et toi, tu n'en vois aucun, bah écoute, tu vas avancer très fort. 5 sur 5. Toi, tu tires sur celui que tu peux voir actuellement. C'est pas grave. Merde, l'ennemi respire encore. Durant. Bah, Durant, progression à découvert, oui, parce que, pff, voilà. Extraterrestre en approche, commandant. De toute façon, c'est pas avec leur petit pisse fusil plasmique de merde qui vont nous faire peur. On tire dessus. Voilà. On tire dessus. C'est même pas le début d'une menace, les mecs. Un berserker qui pop de nulle part. Why not? J'ai envie de dire why not. Alors toi tu vas me buter. Non. Pour que tu fasses le plus de dégâts possible, il faut que tu me tires sur sac à foutre. Tadam. Raté, dommage. La cible n'a rien. Pour à côté de ça, on a Durant qui a besoin d'XP. Ça, et qu'il la prend.
Et qui se venge en plus. Si ça peut vous faire plaisir. Parce qu'elle est comme ça durant. Un Asco qui va progresser très fort. En explosant de l'alien au passage. Parce que j'en ai rien à foutre du poison maintenant. Bah j'hésite pas. Voilà, dans ton cul. Ambre, tu peux également faire un fusillade. Bah écoute, tu vas le faire. J'aime pas trop l'idée de vous disperser, mais bon, là il s'agit de faire la mission le plus vite possible. Alors, Tarkinouné. Progression au centre. Bien reçu. Feu à volonté. Salut les bitches. Putain, mais en fait, il y a que des allumettes de merde. Bon, si c'est le cas, ça va vite aller. Que les otages soient toujours en vie. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaires pour autant. Nous devons encore les faire sortir de là. D'après la description d'Annette, ça doit être le panneau de contrôle. Si nous voulons sauver les prisonniers, nous allons devoir désactiver le système ou le détruire avec des explosifs. Mec, c'est que ça pour te faire plaisir. J'ai Dark qui va se faire un plaisir de balancer une patate dedans. Une petite patate chaude là, dont il a le secret. Il va être tout heureux. Bonsoir. Commandant, des ennemis pénètrent dans la zone. Ma position est compromise. En fait, ils sont pistolets plasmiques là même. Ils sont même pas au fusil. Un allumette de plus. Ridicule. Oh, un berserker par contre sur le toit, ça peut être plus chiant. Arnasque, progression, à découvert parce que t'en as rien à faire. T'es un vrai soldat, toi. T'as du poil au menton. Sexy grume fleuvré. Celui qui fait 10 de critique. Je confirme la position. Notre Dark International qui avance en direction de la commande. On l'avait déjà vu lui. J'adore à quel point j'utilise une puissance complètement ouf contre une pauvre allumette de merde. Le mec il a rien demandé limite. Il a rien compris ce qui lui arrivait. Mais il a quand même payé très cher. Réseau, je vais te mettre là. Pourquoi je vais te mettre là? Parce que quand l'autre salopard il va descendre, tu vas pouvoir lui mettre un coup de vigilance dans le cul. Annette, tu es loin. Approche-toi. J'aurais besoin de réparation mineure. Oui, effectivement, mineur. Ah, il est descendu en fait, lui. Non, ça lui fait de ça, des dégâts de plus dans la gueule à ce con. Ah bah il a même pas tiré sur sur Dark, cet abruti. Je vais vers la position. La chaîne rapide dans ta gueule. Il est mort, je confirme. Ambre qui s'avance. C'est parti. Qui bute la pauvre allumette qui savait même pas qu'est-ce qu'elle foutait là. Et pour finir, notre Dark International. Qui en a absolument rien à foutre. Bitch, please. Excellent travail, commandant. L'appareil a cessé d'émettre. Vous avez réussi à interrompre le compte à rebours. Nous avions peu de chances de réussir et pourtant nous y sommes arrivés. Les trois derniers prisonniers sont sauvés. Et j'ai bon espoir que nous ayons trouvé là de nouvelles recrues pour XCOM. Oui.
folie, quoi. J'arrive pas à bien lire le succès. Tout s'est passé comme prévu. Pas une seule victime. J'espère que les prochaines opérations se passeront aussi bien. Alors, Tiffany, Zero Arm, ça me plaît pas trop, ça, comme pseudo, quand même. Débusquement, gâchette rapide. Beaucoup plus efficace, ça, gâchette rapide. Profil bas pour Mademoiselle Neo, qui devient une vraie snipeuse professionnelle. Le sniper, il gagne quand même vite de l'XP, je trouve, au final. Peut-être un bonus. Les avantages comme Annette ont proposé de rejoindre les rangs de XCOM, leur capacité mentale ainsi que certains dispositifs neurologiques uniques montrent qu'ils pourraient devenir des agents particulièrement utiles. Plus 100 millions de dollars. Ça fait plaisir. Il se peut que nous ayons enfin découvert pourquoi Annette était retenue prisonnière. Et les résultats sont pour le moins perturbants. Apparemment, Annette et les autres prisonniers sont capables d'amplifier les capacités psioniques d'autrui. Ce qui permet aux aliens d'exercer leur contrôle mental sur de nombreuses victimes à la fois. Hélas, l'intervention d'Annette dans l'attaque d'XCOM a provoqué d'importants dégâts dans ses tissus cérébraux. Elle n'aura plus jamais cette capacité particulière. Mais elle conservera peut-être des aptitudes psioniques. Ok, bon, on verra ça. Caserne. Du coup, c'est qui nous a rejoint? Alors, nous avons Matthew Hawkins, alias Alecto, qui est donc un nouveau sniper, pourquoi pas. Vision commune, pistolet, et... Pff, ouais, le tir incapacitant, par défaut. Qui d'autre? Nous avons Sahid Tahik. J'ai un peu de mal avec les accents un peu arabes. Pourtant, ça me fait kiffer, moi, les accents arabes, personnellement. Ça me fait délirer à chaque fois. Sprinter. Donc, c'est un sapeur, c'est un healer, un vrai. Enfin, les sapeurs, on pourrait en faire deux choses différentes, mais... Donc, nous avons Fatima Tahik. Qui est peut-être sa femme, je ne sais pas. Comment ça se passe. Qui est donc une asso. Réflexe éclair. Cachette rapide. Et voilà. Bon, on commence à avoir des soldats qui tiennent la route, dis donc, en plus qu'ils s'ajoutent là. Par contre, ils sont censés avoir donc des bonus ou je sais pas quoi de la mort là, mais comment est-ce qu'on les voit ça exactement au final? On sent Sahid Tahik et Fatima. Sprinter. Donc ouais, il n'y a pas de bonus qui s'affiche clairement à ce niveau-là. Il va y avoir quand même des soldats, j'avais dit... Ambre... Où elle est passée? Ambre, ce pseudo ne te va pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? C'est une asso, c'est une fille, elle s'appelle Ambre. Elle vient des États-Unis d'Amérique. Ben on va l'appeler Rush, tiens. Puisque j'y font que de rusher du coup mes assauts à moi. J'en fais faire que ça. Je pense que ça lui ira plutôt bien. Ben voilà. Ah, Annette Durand n'a pas de pseudo alors qu'elle est montée en grade. Bon, Annette Durand n'aura pas de surnom apparemment. Ce sera Madame Psychopouvoir et c'est tout.
pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je vois qu'il est 11h, donc c'est une mission qui a été assez courte au final. Écoutez, vidéo spéciale, vidéo bonus. On va faire une deuxième mission. On va faire l'opération secrète. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Eh bien... J'ai quand même envie de faire bouger un peu l'équipe, là. On voit toujours les mêmes, là, depuis quelques temps. Bon, on va retirer Razos aussi. Ouais, bah attends, on va faire comme ça. Alors, écoutez, je pense que ça va sonner le grand retour de la puce au front. Parce qu'après être revenu pour depuis sa séance de d'amélioration génétique, on l'a pas beaucoup vu. On va également voir le retour de Rousse. Ouais, de Rousse. Et voilà. Ce sera déjà ça. Alors, libérer l'équipement. Lâchez tout, les mecs. Lâchez tout. En fait, Dark, il se retrouve dans son propre harem personnel, là. Je suis en train de me rendre compte. Allez, une armure titan, un fusil plasmique, un pistolet plasmique. Un taser. Une chitine. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de saloperie, là. D'ailleurs. Ça me convient vraiment pas, là, cette histoire d'armure à la con. Ça me fait chier, parce qu'à côté de ça, ça les renforce, c'est un truc de ouf, c'est génial. Mais, t'as l'augmentation génétique, ça leur donne des armures de merde. C'est moche. Bon, après, je suis vraiment pas convaincu par l'aspect de l'armure titan. Hein. C'est... Je sais pas, il y a un truc qui me déplaît. Le medikit, évidemment. Et avec ceci... le gilet de nanofibre, parce que t'es un medic, il faut que tu survives. Ouais, voilà. C'est vraiment le mec qui part en t-shirt, quoi. Je trouve ça naze. Et après, on va peut-être changer. On va faire peut-être bientôt un nouveau soldat CM. Pour remplacer Dark. Parce que Dark, ça fait un moment qu'il part au combat. Il a peut-être besoin d'une pause. Là, il part avec son harem personnel. Je pense que ça va quand même lui plaire. Il est entouré de jolies femmes. Nous avons détecté une cellule d'Exalt en Inde. Une fois Strike One sur place, il faudra sécuriser la zone pour permettre à notre agent d'obtenir les données nécessaires. Encore un truc d'encodeur machin. Pff, oh. C'est un peu chiant ça, parce qu'en fait j'ai rien à faire. Après elles sont courtes. Enfin j'ai rien à faire, j'ai juste à me mettre en position. Puis à attendre qu'ils viennent quoi. C'est vrai que bon, côté de ça, sont quand même relativement courtes. Du coup les missions c'est pas trop mal. Notre agent était prêt à transmettre les données obtenues, quand les forces d'Exalt ont débarqué dans sa ZO. Pour le moment, l'encodeur protège la position de notre transmetteur. Mais si Exalt parvient à pirater l'encodeur, ils pourront trouver le transmetteur. Et s'ils piratent les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Objectif mis à jour. T'inquiète, ça va bien se passer. On peut attaquer. Alors... Trente-neuf,
59, où est-ce qu'on l'a ? 59, 59. On va pour celui-là. Commandant, les forces d'Exalt sont prêtes à pirater l'encodeur. Si nous n'intervenons pas, Exalt va trouver le transmetteur. T'inquiète. Bon, par contre, Dark pourra pas faire grand chose d'ici, donc il va falloir qu'il avance très fort. Alors, toi, tu peux tirer sur plein de monde, apparemment. Vas-y, bute-moi ce sac à merde. Disqualifié. Rousse, progression. Tire-moi sur ce sac à merde, là. Tu me l'achèves. Dommage. Tout à fait. Alors, Annette. Évitez de m'envoyer dans les coins sombres. Tu peux pas aller bien loin, toi. Kish, tu restes un peu en arrière quand même, tu t'avances pas trop. Hein. Ensuite. La puce. Puisqu'il fait son grand retour parmi nous. Je me magne. Vas-y, achève-moi ça qu'à foutre. Putain, mais oh, oh, oh. Ah non, partez. Oh, il soigne, c'est mignon. Au prochain tour, vous êtes tellement décédés, les mecs. Rate tous. Je peux plus bouger, il me tire dessus. Après, je me dis qu'avec toutes les médailles et les bonus que j'ai, du coup, ça doit quand même bien aider ça. On va dégager bien la zone, je pense, avec une belle roquette à l'intérieur de ce bordel. Oula, oui, mec, la zone de dégâts. Ouloulou. Ah, parfait. C'est parti. Prends ça. Voilà, comme ça ils ont plus de couverture. Toi tu restes là. La puce. Tu t'avances pour être sûr de pas me rater ces sacs à merde. On se reverra en enfer. Ce qui permet en plus de bénéficier d'un lien combatif pour tout le monde. Ambre, ma cocotte, tu t'avances. Ouais, lui, il meurt. En critique, en plus. Alors qu'il n'y a que 15% de chance. Mais nous sommes XCOM ici, mesdames et messieurs. Ici, il y a des vrais professionnels. Vas-y, on balance une grenade, carrément, on s'en fout. Fais pas dans la dentelle, hein. Vas-y, coup de lance-roquette, coup de truc, coup de machin, coup de bidule, là, ça y va, là. On fait tout péter, là. Tout doit disparaître, quoi, c'est les soldes. Affirmatif. Reste encore un, normalement. Vous avez entendu ? C'est... Commandant, plusieurs ennemis se dirigent vers Strike One. Les renforts ennemis se rapprochent. Grosse qui tire, grosse qui touche. Dark, pute-moi ce sac à merde. 89%.
Tu le fous de ma gueule? Je veux 100%. J'y vais tout de suite. Cible à proximité. Tu me le descends. Merci. Non mais oh. Unité ennemie éliminée. Vas-y, bute-moi lui. Au ralenti. Parce que c'est 4 fois plus classe. Je vais vers ma position. Ouais, Rousse a la voix de. De Willow, quoi. La classe ou pas? Alors, ma petite Annette. Bah, tu vas te mettre là. Pas facile avec tout ce barda. Ouais, ouais, ça va, hein. Tu restes là. La puce. La puce progression. J'ai même envie de dire progression jusqu'ici, comme ça si le mec il se pointe, il va se prendre un tir. Enfin, un combat rapproché dans le cul. Bien, commandant. C'était mauvais ça, madame. Raté. Ok, donc c'est décidé de bousiller tout l'immeuble, quoi. Ils en ont plus rien à foutre, les mecs. C'est plus une menace. Je confirme. On défonce même les portes parce qu'on s'en fout. Au point où on en est, hein. Néo, rapprochement. J'écoute Durand dans l'absolu, t'es bien ici. Mais pour le lol. Pour mes amis. Ouais, enfin, je pense que les années ils sont pour rien que tes amis se sont fait exploser, quoi. Nous détectons de nouveaux ennemis à proximité de Strike One, commandant. Bah, tu as tellement décédé. Je l'ai eu. Bute-moi ça qui a foutre. Oh, tu sais quoi, tu peux même aller le chercher. Bah écoute, tu vas y aller. Poursuivez-les. Si notre agent s'approche assez pour accéder à l'un des relais de communication d'Exalt à proximité, il devrait pouvoir utiliser les clés de cryptage obtenues avec les données. Oh, dommage. Pour désactiver temporairement les communications de l'ennemi. Là, on a qui? On a Ambre. Ambre, elle a besoin d'XP. Poursuivez-les. Ok, je bouge. Alors, t'hésites pas, tu mets le canon du fusil dans la bouche. Et tu tires très fort. Cible éliminée. Il est où le dernier déjà? Ah bah c'est celui qui est à l'autre bout là que la puce n'a pas pu achever. Je m'en charge, commandant. Genre il le voit pas là. Continue de tout faire péter, hein. Bon, ça va durer exactement encore combien de temps cette histoire là? Parce que bon, comment ça peut se faire chier?
bon. J'y cours. J'y vais. Faut tu rester dehors comme ça si t'en vois un. Qu'est-ce que tu viens de me recharger? On y retourne. Donc tu restes à peu près au milieu aussi. Je suis en mode rien à foutre. Apparemment, ce sont les derniers renforts ennemis, commandant. Il faut seulement tenir encore un peu plus longtemps. Ennemi détruit. Ah, il y en a quand même quelques-uns, quoi. Alors, déjà pour commencer, Durant. Ambre. Il est complètement flanqué. Dans le doute. Voilà. Dark, rapproche-toi un peu de l'autre abruti. Et fais-lui comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. S'il te plaît. Lui, il va décéder. Ah yes, il n'y avait même pas le début d'une chance, quoi. Durant. Va te venger. Je vais voir. Crève. Pourtant, il reste Kish. Bien, commandant. Ennemi repéré. Et bah tu me le désingues. Bon, tu vas pas le buter pendant ce tour-là, mais c'est pas grave. Alors, la puce... Bah, la puce approche. Rousse aussi. Bien, commandant. Il se déploie sur mon flanc. Commandant, le transporteur est en sûreté et nous ne détectons plus d'autres forces d'Exalt dans la zone. Encore une belle réussite. Je suis trop fort. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais voir un QG d'Exalt, il est en Inde? Enfin, que j'essaie d'infiltrer Exalt. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont pas forcément le look très indien en soi, donc bon. C'était parfait. Pas une seule victime. Durant qui obtient ténacité. Parce que c'est une fille folle dans sa tête. Alors, plus 150, très bien. Niveau de panique réduit en Inde, bon, en même temps, voilà quoi. Alors, décryptage, j'ai venu récupérer une nouvelle information sur la base d'Exalt. La base d'Exalt n'est pas en Allemagne. Récupère des fusils de la mort. Déchiffrage des renseignements terminés. Recalcul des emplacements possibles de la base d'Exalt. Donc, il ne reste plus que le Royaume-Uni et la Russie. Donc, dans une encore une mission, on pourra défoncer Exalt. Ça paraît plutôt bien, ça. En plus, je pourrais limite me permettre de l'acheter directement, le renseignement. Mais non, ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde vite fait. Et on va essayer de voir ce que ça donne, cette histoire de lance à fusion. Parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ?
dans sa fusion fabrication possible. Cette arme compte parmi les plus puissantes que nous ayons prises aux extraterrestres, et ses effets dévastateurs contre nos vaisseaux ne font aucun doute. Hélas, elle a clairement été conçue pour être équipée par de très grands vaisseaux, la capacité de charge supérieure aux nôtres. Pour que nous puissions nous en servir sur nos propres vaisseaux, il a fallu retravailler et miniaturiser le système d'alimentation et d'enfouissement. Une fois cette arme déployée, il ne fait aucun doute que nous lutterons à armes égales avec des extraterrestres dans les airs. D'accord, c'est cool ça. L'infusion est l'arme anti-aérienne d'XCOM la plus puissante pour le moment. Elle devrait détruire n'importe quel type d'ovni que nos Vulcains affronteraient. Nos Vulcains, c'est-à-dire que si j'avais pas un Vulcain, je pourrais pas, quoi. Après, on a le canon à alliage, la lance nucléaire de la mort, ça me donne envie. 50 fragments d'armes. Putain, le lanceur nucléaire guidé, quand même. Je sais pas trop. Canon IEM, ça me paraît pourri. Allez, va pour le fusil précision plasmique. Alors, ingénierie, production. Satellite de défense laser. La lance à fusion. Il me faut 35 ingénieurs pour la faire. Bah, ça attendra. J'ai pas l'intention de voir ça tout de suite. Fonderie, est-ce que j'ai un projet intéressant qui pourrait être à faire? Il me faut des fragments d'armes comme pas possible. L'hélium gelé, oui. Ouais, mais ça coûte cher par rapport à l'utilité que j'en aurais. Cerveau moteur avancé, ça pourrait être cool. Après, ça coûte super cher, sa mère. Est-ce que j'ai des choses à vendre? Changer extraterrestre, par exemple. Fonderie, cerveau moteur avancé. Allez, ça peut être cool. Ça me coûte pas forcément super cher. Les gars de la fonderie n'ont pas le temps de s'ennuyer avec tout ça. Je vais leur dire que vous avez un autre projet pour eux. Mais bon, ça va quand même le faire. Donc dans l'avenir, nous allons avoir les fusils de précision plasmique qui vont se faire. On va avoir les cerveaux moteurs, on va avoir les Vulcains et on aura le rapport du conseil. Ce qu'on fera aussi dans la prochaine vidéo, c'est que j'essaierai de choper encore un peu plus de thunes et puis on fera pour la base d'Exalt. Parce qu'il est temps quand même d'en finir avec ces conneries. Et puis voilà. Donc sauvegarde. Allez. Voilà. Et donc moi je vous dis à plus tout le monde. Mangez des pommes, buvez du lait, portez-vous bien. Passez sur mon Twitter et mon Facebook. Je vous invite également à laisser un j'aime et un commentaire. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Ça aide la chaîne à grandir, ça aide la série à se faire connaître. C'est que du bonus pour moi comme pour vous. Et sinon, eh bien, je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à suivre la série. Ça me fait plaisir. Parce que surtout, je savais pas en fait trop si ça allait vous plaire ou plaire ou pas XCOM. Et au final, globalement, bah, ça vous plaît. Donc ça me fait très plaisir. Cette vidéo donc va sortir quand même super tard par rapport au moment où je l'ai enregistré, parce que je rappelle que là je refilme toujours le vendredi 6 mars. Il est 11h26 pour être précis. Et puis voilà. Sinon, et bien ce sera tout pour moi. Donc encore une fois, à plus pour la suite de XCOM Enemy Within.